Bonjour, bonjour. Alors, ouvrez vos stylos, sortez vos cahiers. C'est l'inverse. Bref, interro surprise, d'accord? Professeur, vous avez les cheveux violets? Tu la fermes, Kevin. T'es exclu de cours. Je veux rien savoir. Tu dégages. Bref. Les amis, cette vidéo n'aura aucun rapport avec l'école. C'est juste que l'intro, je la trouvais marrante. Hein. Sinon, si vous n'êtes pas content, bah, c'est la même chose, ok? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. J'ai contacté un site qui s'appelle L'Avant-Gardiste. Leur concept, c'est quoi? Ils vendent plein d'objets. Ça peut être des objets ultra stylés, des objets qui n'ont absolument aucun sens. Et mon dieu, que oui. Il y en a pas mal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a plein de trucs super cool. Je les remercie de m'avoir envoyé tout ça. Le lien est dans la description. Vous trouverez peut-être des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Il y a plein d'objets geeks aussi. N'hésitez pas à aller checker dans la description. Merci beaucoup. Bref, j'ai commandé ça il y a déjà un petit moment. Du coup, je ne me rappelle absolument plus de ce que j'ai pris. J'ai quelques souvenirs, mais c'est assez vague. Je fais également la vidéo debout, encore une fois. Enfin, je sais pas si j'aurais posté déjà la première vidéo debout. Enfin, bref, ça me fait plaisir. Ça change un petit peu. Je vais pouvoir bouger un petit peu. Je vais pouvoir me faire plaisir. Ça rend un petit peu bien. Je vais m'amuser avec ce truc, c'est incroyable. Hein. Le carton, il est là. Il est énorme. Regardez-moi ça. Salut, ça va? Je vais donc l'ouvrir. Et on commence par du carton. Non, on s'en fout. Alors, premier objet. Je me rappelle absolument plus ce que j'ai pris. Je vais prendre au hasard. Hop, attention. Alors, oh, on commence par un truc trop bien. C'est génial. C'est le rêve de toute une vie, d'accord? C'est un pistolet à billets. Oh là là, oh, mais alors ça. Oh, c'est incroyable. Ok, alors attendez. Là, on a le pistolet. Oh, j'espère qu'il y a des piles à l'intérieur. Il y a des piles ou pas? Il y a pas les piles. Mais on a des dollars. Et ça fait plaisir. Ok, j'ai la boîte à piles. Oh, ça sent la catastrophe là. J'ai pas de petite pile. Je vais utiliser la stratégie que tout le monde utilise. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. La télécommande. Je vais voir si j'ai des piles dans la télécommande. Ok les amis, j'ai une solution, d'accord. Il n'y avait pas de piles dans la télécommande, mais il y avait des petites piles dans la bougie. C'est une longue histoire, d'accord. Bref, j'en ai que 3. Si j'ai besoin de 4, c'est la douille énorme. Allez, c'est parti. Il me faut un couteau. Ok. Il me faut un couteau plus petit. J'en ai marre. Ok, ça devrait être le couteau de la situation. Oh, moment de vérité. Est-ce qu'il faut une pile? Est-ce qu'il faut deux piles? Est-ce qu'il faut trois piles? Je rappelle que c'est le premier objet de cette vidéo qui me fait extrêmement galérer. Ça annonce une vidéo extrêmement difficile. Et mesdames et messieurs, il en faut 3. C'est magnifique, ça tombe pile poil. J'adore l'humour. Est-ce que vous entendez le bruit de la victoire? Maintenant, il va falloir lever la languette, comme ça. Et on va devoir placer les dollars, d'accord? Oh là là, j'ai trop hâte. Plus avec mes cheveux violets, c'est bon, je fais un rappeur américain. Rajoute-moi un petit peu de tatouage et tout. Yeah. Alors, première liasse de billets, je positionne. Deuxième liasse de billets, je positionne. Je referme. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends ça depuis très très longtemps. J'espère vraiment que ça va pas me décevoir. Fais-moi un truc un petit peu street. Les amis, bienvenue chez moi. Alors non, par contre, c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? J'en ai mis trop, peut-être. J'en enlève une. Je remets. Attends, j'ai pas fait tout ça pour rien, d'accord? Je crois qu'il faut que j'en mette vraiment un petit peu, sinon le truc est trop lourd. Ok, je teste comme ça. Les amis, bienvenue chez moi. Mais c'est quoi ma vie? Elle est où ma vie là actuellement? Je crois que les piles sont mortes. Je pleure maintenant ou j'attends un petit peu? Non mais c'est pas possible, mais réfléchis, qu'est-ce qu'il peut avoir des piles? J'ai 2 nouvelles piles, j'en ai que 2 par contre. Espérons qu'il y en ait au moins une des 3 dernières. Soit pas trop vide. C'est reparti pour réouvrir. Cette vidéo va être exceptionnelle. Oh, je le sens. Je replace tout. Vous appréciez ce moment? Moi je dis, ça mérite un pouce bleu, d'accord? Je suis pas du genre à demander H24 des pouces bleus en début de vidéo, mais franchement, faites-moi plaisir. Pitié quoi. Ok, bon, scène 1, prise 854. Bonjour, bonjour les amis. Et bienvenue. Chez moi. Oh, j'ai pas les mots, mais tu fais quoi? C'est pas possible. J'en enlève la moitié, voilà. Reste calme, Maxime, reste calme. Bonjour les amis, et bienvenue chez moi. Beaucoup de préparation pour très peu de plaisir, mais je suis grandement satisfait. Non mais ok, d'accord, là c'est ma faute, c'est ma faute. J'aurais dû penser à des piles, j'y ai pas pensé. C'est ma faute. Maintenant je vais passer au truc que les rappeurs ils vous montrent pas. C'est quand tu ramasses les billets. Ah, tout de suite hein. C'est bon, je les ai tous. Enfin, je dis ça, mais vous comme moi on est sûr et certain que dans 2 semaines je vais en trouver un caché quelque part là. Prochain objet. Ok, on passe à la suite. Alors il y a un gros paquet un petit peu mou que je vais prendre absolument tout de suite. Et c'est... Oh oui, je me rappelle. J'avais acheté ça parce qu'en fait j'ai pas de chaussons, d'accord? J'en ai plus. Enfin, dire que j'ai plus de chaussons serait vous mentir. Les chaussons actuels, c'est ça. Je déteste le foot. Du coup, je me suis dit qu'on allait partir sur quelque chose de plus incroyable, des chaussons Lama. Ça va être exceptionnel. Regardez-moi la taille de ces chaussons. Alors par contre, pour vous montrer ça, ça va être marrant. Oh là là, c'est incroyable. Cette sensation de bien-être. Vous me voyez pas, mais je vous assure que je suis incroyablement stylé. Attendez, attendez, il faut que je montre ça. Ok, voici mes chaussons. Bonjour, je m'appelle Michel. Comment ça va? Je suis un Lama. C'était moi, c'est faux. Bref, je vais continuer la vidéo avec mes chaussons Lama, d'accord? Regardez, ils sont là.
Oh, cette vidéo, elle est beaucoup plus crevante que je le pensais, là. Emma, fais un jingle pause, s'il te plaît. Faut que je souffle un coup, là. Ouh. Encore un, encore un. Ok, on continue. Il y a un truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, ça c'est incroyable. C'est un collier pizza. Alors là, comme ça, vous vous dites quel est l'intérêt d'avoir un collier pizza. Eh ben, je vais vous montrer. J'ai commandé pizza hier exprès pour vous. Tu mets ton collier pizza, qui est un peu trop grand pour la caméra, mais il est là. Et tu vas chercher ta pizza que t'as laissée au frigo. Parce que là, tu pars en rendez-vous professionnel. Et t'as pas eu le temps de manger. Bonjour, Chéra, 59 ans. Je suis prêt pour le rendez-vous pro chez ma pizza. Plus beauf, tu meurs. C'est l'objet exceptionnel. Il nous faut tous un truc comme ça. Il faut que ce soit une norme dans la République française. Tout le monde, tous les étudiants, ils doivent avoir ça. Regardez-moi ça, ma petite part de pizza. Elle est incroyable. Bien conservé avec une solution hermétique extraordinaire. Tac. Et pour une discrétion, personne ne la voit. Et pourtant, est-ce que j'ai faim? Non, je n'ai pas faim parce que j'ai ma pizza portative. La pizza portative, la solution à toutes vos envies. Ce site est exceptionnel. On est d'accord, ils sont incroyables. C'est des génies incompris mais des génies. Alors ensuite, nouveau petit objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, alors ça c'est un truc que tu branches à ton téléphone et c'est censé te changer ta voix. On va tester, hein. Je branche à mon téléphone. C'est une prise jack et il n'y a plus de prise jack sur iPhone. Faut que je trouve le truc, putain, mais j'en ai marre de ma vie. Montage. Je l'ai trouvé. Franchement, c'est un miracle, je pensais absolument pas trouver ce truc là. Je branche à l'iPhone, tac. Comment ça marche ce truc, mais c'est un délire. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça a bien changé ma voix, hein. Peut-être qu'il faut des écouteurs, mais j'ai... Attendez, attendez, je vais tester. Bonjour, bonjour, j'adore la vie et j'aime les cassoulets. Eh ben, je sais pas comment ça marche. Je comprends pas comment ça marche. Écoutez, c'est moi qui dois pas être très doué, mais j'ai aucune idée de comment marche ce truc. Mais le concept était marrant à la base. Regardez, c'est un dictaphone minuscule. Rien que pour ça, c'est à acheter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet qui vous a le plus plu. Je doute que ce soit celui-là, mais dites-moi en commentaire. Nouvel objet. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Oh oui, alors ça, c'est un truc extraordinaire. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je n'ai pas d'œuf. Faut pas non plus trop m'en demander. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous aimez Game of Thrones? Oui, absolument pas. Je t'ai pas demandé ton avis à toi. Hop, alors je déballe ça. Je sais même plus où est-ce que je peux foutre tous les trucs que j'ai là. Et c'est un coquetier le plus incroyable de tous les coquetiers que vous ayez vu dans toute votre vie. C'est un coquetier Game of Thrones. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Au lieu des épées, on a des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Et tu places ton œuf ici et tu le manges comme ça. C'est pas fou, sérieux? Eh ben écoutez, ce truc là, bon, je peux pas vous montrer évidemment avec l'œuf, mais c'est vraiment grave cool. Je suis grave content. Oh, un billet. Je vous avais dit qu'on en trouverait. Oh. Alors ça, je sais ce que c'est, et c'est absolument atroce. Si vous aimez les licornes, quittez cette vidéo. Franchement, je pense qu'il y a moyen de traumatiser absolument toute une génération. C'est une bougie licorne, mais c'est pas une bougie licorne comme vous le pensez. En fait, en gros, on a quoi? On a cette magnifique petite licorne qui n'a rien demandé à personne. Et il lui manque quoi justement à cette licorne? Vous avez 3 secondes pour répondre, les choix s'affichent ici. Exactement, une corne. Du coup, on a la corne qui est juste ici, qui est la bougie. Qui est magnifique, regardez toutes ces couleurs, c'est beau. On met ça là-dedans. Là, comme ça, elle est très belle. On va du coup maintenant procéder à l'allumage de cette bougie. Me voici avec la bougie, les allumettes et une assiette. Ok, c'est parti. Tac, je l'allume. Attends, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi, alors attendez. Allume-toi. Ok, la bougie est allumée. Pour l'instant, c'est magnifique, on dirait un truc pour les anniversaires. Oh la vache. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ceci dans l'assiette. Elle est là. Je vais la mettre sur le côté et on verra après ce qui va se passer, d'accord? Voilà, ok, on passe à l'objet suivant et on reviendra là-dessus après, vous allez voir. Vous ne serez pas déçus. Ouh là là là, attends, 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas. Encore un lama? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me rappelle même plus ce que c'est. Ah si! Alors attendez, parce que, alors il faut savoir un truc, je suis allergique aux acariens et donc à la poussière en gros. Il faut que je fasse souvent la poussière. Et les plumeaux standards, genre ce truc là, c'est pas fait pour moi, c'est trop classique. Du coup, je leur ai demandé de m'envoyer. Attendez, comment ça marche? C'est un lama, il est incroyable, on va l'appeler Kevin. Kevin le lama. C'est un lama qu'on peut poser n'importe où. On peut même le poser sur le fond. Mettez un pouce bleu en commentaire si vous voulez qu'on mette Kevin le lama dans le fond. Regardez-moi ça. Il est là-bas. Il est heureux, il est mignon. Et là, un océan de poussière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kevin, il attend, il est là, Kevin. Je me munis de Kevin. Et attention, Kevin devient un truc pour faire la poussière. Non mais en vrai c'est un truc de fou. Bim poussière. Bim lama. J'ai l'impression de lui tordre le cou à chaque fois. Genre Kevin t'es moche. Il est mort. Et non, c'est un prank. Enfin, moi d'ailleurs sur YouTube hein, à Sora Prank. C'est ma nouvelle chaîne hein, et dans la description c'est faux. Bref, on va poser Kevin le lama. Pour l'instant on va le mettre ici. Et on va continuer. On a une petite boîte, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est génial! Alors ça, c'est une invention extraordinaire encore une fois. Hein. Ça, c'est un espèce de ring de combat pour les combats de pouces. Tac, vous avez ça. Il y en a un qui met son pouce ici, l'autre qui met son pouce là, et vous faites des combats de pouces. Sauf que là, je suis tout seul. Julie? Prête? 1, 2, 3, bras de fer chinois. Et là, en plus, tu peux pas triste, tu peux pas retirer ton bras. Vas-y, viens. 1, 2, 3, c'est bon, j'ai gagné. C'est bon, j'ai gagné. Merci beaucoup. En vrai, j'ai gagné ton truc. Ça va. J'ai un coquetier Game of Thrones. Oh non. Ah, ça, je vais kiffer. Tu sais, les trucs à poussière comme ça là. Ouais, mais non. Présente Kevin le lama. Pourquoi Kevin? Je sais pas, Kevin, j'aime bien ça. Et en fait,
c'est horrible. On dirait qu'on lui tord le cou. Ah ouais. C'est la vraie réaction, c'est horrible. Et du coup, hop, 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 oh, toi. C'est génial. Après, t'as claque. Et vous imaginez faire le ménage avec ça? Vas-y, mets-toi face à la caméra avec ça. Allez, transforme-moi en ménagère Emma, fais-toi plaisir. C'est bon, t'es contente? Un petit like pour ça, franchement. Dernier objet, je crois. Il est énorme d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas, mais qu'est-ce que j'ai commandé? C'est ça! Mais c'est énorme! Oh là là! Je voyais tellement pas ça aussi gros. T'as touché, Charles? Oh là là là! Oh, le polystyrène partout, j'ai envie de pleurer. Alors, quand j'ai trouvé ce truc dans le site, je me suis dit, ok, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais on verra un petit peu comment ça se passe niveau qualité et tout. Et franchement, ah oui, quoi! Il déconne zéro avec toi, quoi. En fait, je pense que vous le savez, mais je me mouche énormément. J'éternue beaucoup, je fais beaucoup de crises d'allergie. Et je suis tombé sur une boîte à mouchoirs. Elle est incroyable. Bienvenue à ma nouvelle boîte à mouchoirs. Mais le truc, il est énorme. Mais écoutez, mais c'est méga résistant. Attendez, il faut qu'on teste, il faut qu'on essaye. Je prends le mouchoir et j'ai pas les mots. Regardez-moi ça. Pas. C'était le dernier mouchoir de la boîte à mouchoirs. Bon, vous avez compris le concept, quoi. En gros, tu lui tires le mouchoir du nez, mais c'est exceptionnel. Mais c'est génial. Maintenant, lorsque je me moucherai, ça n'aura plus du tout le même sens. Et ça, c'est bon. Je t'aime bien, toi. Bon, du coup, ma licorne, elle en est où, là? Bon, elle est toujours en train de brûler. Ça prend masse temps. Je pense, en fait, que c'est sur plusieurs heures. Je vais vous montrer le résultat sur l'emballage, parce que, bon, on va pas rester comme ça pendant 3 heures toute la journée. En gros, c'est censé faire ça. Est-ce que c'est pas totalement affreux? En fait, la licorne, elle pleure des larmes multicolores. C'est absolument atroce. Mais ça peut traumatiser un gamin, ce truc. Et bah, vous savez quoi? N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. C'est dans la description. Ou alors, mon Instagram, c'est juste ça. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur ordi et que vous avez votre téléphone à proximité, vous pouvez aussi flasher ce code-là pour me follow. Et je mettrai en story, du coup, le résultat de cette incroyable licorne absolument horrible. Et bah écoutez les amis, je pense que c'est tout. Je crois avoir tout montré, j'ai rien oublié. Et bah en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je me suis grave amusé, c'était n'importe quoi, mais je me suis beaucoup amusé. Merci beaucoup en tout cas l'avant-gardiste encore une fois pour tout ça. Le lien de leur site est dans la description. Dites-moi en commentaire également qu'est-ce que vous avez préféré dans la vidéo, quel objet vous avez le plus kiffé. Et surtout le plus important, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je sais qu'il y en a beaucoup.